C'est moi, c'est Benjamin, c'est Benny. Vous voyez mon beau fond d'écran, je vais vous montrer comment faire ça. Bon, pas comment faire toute la pomme et toute la peinture autour, mais mettre les titres. Enfin, je vais vous donner en gros la police des écritures que j'ai mis là. Puisque je me faisais chier, j'avais pas internet. Et alors, je me suis dit, je vais jouer avec Photoshop, puisque je l'avais jamais utilisé avant. Je viens de l'avoir. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'il est ouvert. Vous trouvez le fond d'écran sur Internet, parce que moi, je sais pas où je l'ai trouvé, j'en veux plus. Je serais bien aller chercher le lien, vous le donner. Je le mettrai dans la description quand j'aurai le temps. Mais c'est que je l'ai pas tout de suite, parce que j'ai pas Internet, comme je vous dis. Mais dès que j'ai Internet, je prends le lien, je le mets dans la description pour que vous ayez l'image. Donc, en gros, vous l'ouvrez. Bon, c'est tout con, hein. De toute façon, c'est pas bien dur. Vous écrivez du texte, hein. Grosse chienne, si vous voulez. On s'en bat les couilles de toute façon. Et bon, vous le dépassez, vous mettez ce que vous voulez. Et donc la police, je vous donne le nom, c'est ça le plus important en fait. Et c'est un hasard, hein. J'avais trouvé la police plusieurs mois avant que j'ai eu ce fond d'écran. Mais le nom de la police, c'est... Alors, putain, faut l'ouvrir. Non, la police, c'est Birth of a Hero. Je vais vous donner. Bah, si vous allez sur le site de dafont.fr, vous pouvez la trouver. C'est là où j'ai trouvé. Dafont.fr. Je mettrai le lien aussi. Je mettrai le lien dans ma description. Donc voilà, c'était tout rapide, tout simple. Mais c'est juste pour faire un fond d'écran sympa. Bon, ça, le truc que j'ai fait. Hein. Ça là, mon fond d'écran, je l'ai fait à l'arrache. Hein. J'ai eu l'idée, je me fais chier. Je sais pas quoi faire. Mais donc voilà, j'ai mis des trucs que j'aime bien, l'ombre, un peu tout. Donc c'est sympa, c'est un beau fond d'écran, c'est sympa. Voilà. Si vous voulez faire des copies d'écran, me les envoyer, ça serait rigolo de voir ce que vous avez pu faire avec. Là, si on voit, j'ai mis ta mère, la chienne qui suce en haut. Ouais, enfin bon, c'était juste un petit délire. Bon bah voilà, à la prochaine, et pour un tutoriel entre guillemets, parce que c'était pas bien dur pour faire ça, c'était juste une idée partagée, on va dire. Et ben à la prochaine, bonne journée.